Compatriotes haïtiens fraîcheur, journée jeudi 26 septembre, son journée tout à fait spéciale pour Haïti, notre tribune Nations Unies. En plus, le monde campé, bat bravo après discours président Edgar Leblanc fils. Gen moun ki ale loin ki di après président Jean-Bertrand Aristide, c'est kounya yo resi jwenn président ki gen courage pour camper dans tribune Nations Unies, pour garder la France nanje, pour di français yo kale Haïti l'argent réparation ak restitution, yo te fait bay lan pour reconnaître indépendance nous, pour reconnaître que nous te libre. Edgar Leblanc fils gen plusieurs points importants li aborder. Dans quatre discours, il a fait dans la tribune Nations Unies. Il a abordé la situation anti-haïtienne. Il a abordé la question Springfield, la campagne anti-haïtienne, la campagne discriminatoire qui a gagné contre la communauté haïtienne. Il a fait avec l'ancien président Donald Trump, avec tout colistier J.D. Vance. Nous allons gagner tout le détail dans la bonne marmite. Dans la coupe pays d'Haïti, pendant nous focus sur question Nations Unies qui s'est réglé polémique qui t'a gagné tout ça, eh bien très élection l'avancé. Hier nous t'a gagné Smith Augustin qui débarqué dans bureau ONI qui a regardé comment chantier et élection li avancé puisque pas qu'à gagner élection sans carte identification nationale. Et dans ce sens, jodi an nous pral partager avec vous quatre principales missions yo bay conseil électoral provisoire là malgré nous wè yo poko fait prestation serment yo dans cour de cassation. Nous pral gagner tout détail yo dans bon ti marmite. En pile zami a posé tête yo question et même Edgar Leblanc fils li soulevé question insécurité à dans tribune Nations Unies malgré gagner en pile blindé gen matériel ak équipement qui vini pour la police. Jusqu'à présent, nous pas consenti sécurité, nous pas koe sécurité, nous pas koe véritablement qui sa mission Kenya a réglé dans la coupe pays d'Haïti. Compatriotes, moi yo mal tombé sur une vidéo qui est extrêmement important. Gen moun ki te konnen, ko sa tout gen moun ki pat konnen, ki sa ka réglé, ki volume l'argent la police la brassé avec blindé qui vini qui t'a supposé à faire bataille contre gang contre bandit pour résoudre problème insécurité. Pourtant même blindé ça yo son élément fondamental dans ça qui a passé ak bandi yo comme crise dans pays. C'est autant de formation nous pral gagner pour nous partager avec vous. Déjà m'a invité ou même qui fait tomber ce channel là pas hésiter à abonner. Activez la cloche de notification, comme ça, ou apprêtez connecté avec nous, ou pas rater aucune vidéo de formation, n'a pas gagné pour nous poster. L'important, déjà, pour nous commencer l'émission, avec une déclaration qui est extrêmement importante. Déclaration ça, député américain, député Louisiana, Clay Higgins qui fait. Nous prenons le pour vous bien rapide. Député Louisiana, Clay Higgins, lui répète parole ça dans un tweet qui fait sous compte ex-officiel. D'après parlementaire républicain, l'étape pi bon si Haïtien yon ta quitté pays avant 20 janvier. Député Higgins dit Haïtien yon tellement senti yon à l'aise, kounye a yon al pote plainte contre Donald Trump et J.D. Vance. Plusieurs parlementaires dans la Chambre représentant yon mandé pour yon prendre sanction. Et contre député a après elle fin faire déclaration ça mais après un pile tollé après un pile discussion yo longe l'ouet sous lui comme raciste comme xénophobe anti haïtien li supprimer tweet là li effacer mais effacer là kounya CNN invité pour le vin faut ti parler avec un petit causerie et bien député Clay li fait connait li pa aucun regret de ça le dit yo. OK, il pas aucun regret et tout ça le dit yo, il ka reposter, il ka redit encore parce que li nan pays, il gen liberté d'expression, il ka dit ça le dit. Il ka dit ça le vle, il ka fait ça le vle, etc. Et n'a regardé en bas là, il fait qu'on est député républicain Clay, député Louisiana, il fait qu'on est que haïtien c'est sauvage. Il pas dit haïtien Springfield. Non, là il parle de haïtien en général. Il dit haïtien c'est sauvage. Haïtien c'est gangster. Et Haïti c'est pays
qui gagne, c'est pays qui gagne plus méchant, c'est pays qui gagne plus crime, c'est pays qui gagne plus vieux monde dans tout hémisphère occidental. Donc pour républicain si là, pour député si là, eh bien si haïtien konn sa yo konnen se ramasser ti bak an clan nous depuis avant 20 janvier et si Donald Trump bon parce que ça loi pral vini là son bagay tête chargée. Donc c'est position Clay Higgins. Et li rete ferme sous déclaration, li rete ferme sous décision. Parce que li fait comprendre son affront pour l'affirmer, vin mettre kaye de yo. Parce que Haïtien Association kalpote plainte contre Donald Trump avec J.D. Vincent, eh bien, li dit nous mal fait. Nous pas de gen droit, nous te doué quitter yo, continuer cracher sous nous, humilier nous, attaquer nous, craser machine nous, mettre du feu la kaye nous, comme si yo te gen droit, parce que nous nan pays yo. C'est ça le dit. Donc mes amis, bagay yo compliqué et nous gen Edgar Leblanc fils qui lui-même dans tribune Nations Unies li te soulevé et situation qui a passé Springfield, situation qui a passé avec haïtien États-Unis dans moment dans Ohio. Mais notre moment là internet là on dit j'en chauffer. Internet là chauffer malgré que malgré que Edgar Leblanc li fait gros déclaration dans tribune Nations Unies même pas caché dit nous dans moment là et gen yon ti vidéo et gen ti vidéo qui rive joindre nous c'est ça c'est lui même moun a partagé repartagé ça yo pas même tenu compte de discours qui fait là et nous même nous pas trop focalisé sur lui voilà nous pas trop focalisé sur lui parce que nous considérer ça comme une faute protocolaire. Je pense que tu as supposé qu'on veut à côté président. Je ne sais pas si c'est stress qui n'a pas de gouin Edgar Leblanc. Si tu as un verre côté, assurément, tu as un verre là. Il t'a connait pour le vider de l'eau dans verre là et puis pour lever verre là pour le faire petit camper, il a besoin courir comme ça, il lever verre là, il met petit verre dans bouche et puis il boit petit de l'eau. Et c'est pas ça que fait, mais plutôt c'est j'en a gardé à là. Voilà. Président mouillé tout colle, président Edgar stressé. Parce que t'a bien longtemps t'a tande pour et pour parler dans tribune Nations Unies comme président pays en 2015 il t'a raté occasion dans élection que t'a fait dans parlement dans Sénat République là et c'est privé que t'es bon pas de bon donc j'ai l'impression son stress mais gros grave problème de protocole tout. En tout cas, nous pas prêter accentuer sur ça parce que ça t'a dit yo message que tu as fait passer dans tribune Nations Unies pour moi c'est ça qui est beaucoup plus important parce que erreur ça yo et faute protocolaire ça yo souvent rivé dirigeant nous yo et en an plus fini OK donc n'a gagné pour entrer dans bagaille qui beaucoup plus intéressant et côté Edgar Leblanc mandé la France caler pays caler peuple haïtien l'argent réparation restitution et ça yo te fait nous payer pour reconnaître l'indépendance nous. Donc nous pral gagner pour nous rentrer dans dossier ça. Mais bien avant, gagne une vidéo extrêmement importante pour nous partager avec vous. C'est intervention yon compatriote sous problème insécurité, des composants de l'insécurité en Haïti et bénéfice insécurité en porter même pour institution la police, précisément des policiers qui ont même a fait trafic avec blindé yo. Donc son bagage grave. Son bagage extrêmement grave qui pral parler là, qui pral ou pral tande là. Donc déjà m'a mande attention ou et pour nous tande qui ça pral dit dans vidéo. On nous aller. L'un policier décide d'utiliser blindé la police. Il fait chaque monde payer 1000 gouttes pour traverser en zone bandit contrôlée. Mm-hmm. Si policier ça il fait 300 monde passer pendant journée, il fait 300 000 gouttes là pour là. Si policier ça, ou bien équipe policier ça, il fait ça pendant 20 jours, il fait 6 millions de gouttes pendant un mois, à raison de 20 jours dans un mois. Dans 6 mois, policier ça fait 32 millions de gouttes. On a réfléchi très bien sur ça. Qu'on y a là, monsieur et dame, posez tête nos questions ça. Est-ce que policier ça, li wè banditisme nan même genre avec ou même? L'on dit bandit, ou même ou on menace sur la vie ou, policier ça li même li wè en opportunité. Parce que li même,
chaque jour sorti dans la rue pendant ou wè cha wè blendé a li même ou wè sécurité li même li wè et recette li pral faire dans la rue. Donc policier ça ou bien groupe policier ça pendant bandi a li même la faire recette en bas li même li enlè à la faire recette la passer moun kounya la en fait en pousser réflexion un peu loin dans tête pas nous. Mm-hmm. Est-ce que nous pensons que les policiers ont préféré Haïti stable dans le sens pas de bandits qui terrorisent les gens, côté la touché 25 000 ou bien 30 000 gouttes chaque mois, ou bien pour tout le temps de bandits et puis les mêmes les sortis dans la rue avec ces équipes par là, ils font au moins 300 000 gouttes chaque jour? Quand ça me parle avec jeudi là, c'est un petit bagage dans ça qui a passé la police là. Un petit point d'iceberg là. On parle de monde qui a fait camion marchandise passer côté au prêt pour payer 500 1000 dollars américains. On pas parler de monde qui besoin fait conteneur passer côté au prêt pour payer 1500 2000 3000 dollars par conteneur. On pas parler de monde qui gagne camion gaz. Je vais parler de tout l'autre bagaille nous connaît. Mon qui voulait comme si VIP, etc., qui prête pour mettre plus l'argent. 700 dollars américains. Donc, ça me nous réfléchir. C'est le NAP calculé, le NAP réfléchi sous insécurité en Haïti, hein, notamment causé banditisme. Si dans le raisonnement, nous mettons groupe bandit à sa patio à pas, et puis nous mettons la police là à pas, nous pas bien saigné problème là. La police nationale d'Haïti, Jean lié là, c'est un composant fondamental dans la bandit-sécurité en Haïti. Par exemple, li difficile, son bagay qui impossible, li quasi impossible pour propriété qui a volé en Haïti yo, pour la police pas impliquer là-dedans. Moun qui a volé kaimoun, moun qui a volé terre. La police généralement impliquée là-dedans. Koun ya la, gen de moun ki bral di non. Et c'est pas la police comme institution, c'est quelques policiers qui pourrient, etc. Oui, mais qu'on y a là en tous ces raisonnements plus loin. Le par exemple, groupe individu ça, pendant un temps qui est long, la police a 29 ans, ils ont utilisé machine la police, uniforme la police, armes la police. Donc ces instruments la police qui ont théorisé les gens. Dans l'histoire, ça y est, il disparaît. Il y a des gens qui mourent et il y a un pile policier, surtout gros chef, qui a vivent sous terrain dans la caille qui volait. En conflit. Quand il y a là, l'institution a été pendant tout le temps, ça, 29 ans. Il n'y a pas jamais tracé son leçon. Côté policier, il y a senti toute impunité, il y a fait ça n'importe où, il y a associé avec groupe sénateur, groupe député, pour faire bagay ça. Le par exemple, c'est gang quoi des bouquets ou bien Maxisan ou des côté hier qui entre dans kay on moun. Yo pillé, yo met zam botet moun nan, moun yo couri entre dans kay la, nou rele sa banditis. Mais le c'est policier qui fait qui s'allie. Le c'est la police qui fait qui s'allie. Donc, ça dit légal. Comprendre que la police nationale nous bien là. Li se yon nan composant banditisme li an Haïti. Et jan bagay yo makone an Haïti, la polis la li gen intérêt nan banditisme nan. Parce qu'on mas la jan ka fèt. Exemple mwen pren, au commencement, mwen dou 20 jours, moun yo fè 32 millions de goud nan 6 mois. Juste dite tout, nek sa yo fè kop nan chak, ya pren kop nan men businessman. Il y a une série de l'autre brasse en Haïti. Nous imaginons un volume l'argent qui a brassé en Haïti. Dans l'insécurité. À cause de l'artiste. Pour y aller, l'ordre ça pour éliminer les gangs qui ont signé l'intérieur. Pas de volonté. Pas de volonté. Donc, ça, c'est deux problèmes complexes que nous réfléchissons. Ça fait longtemps, nous entendons que il y a des fois qu'il y a des vêtements dans la police, il y a des gros investigations qui fait sous chaque gang policier, etc. Mais posez peut-être nos questions. Tout qu'il c'est pas fait. C'est aussi important. La police a gagné 29 ans. Pour qui ça a été major la police n'a pas jamais fait? Exactement. On va parler. Nous pas jamais prêté attention pendant la période gang nan la. Le gang yo a laissé entrer quand on s'est de gros chef dans la police là. Nous pas un qui gros se kaya vive.
Nous pas poser cette question qui bon jeune la police n'a pas bien payé pas vrai. Pas rien comme dans PNH, pas rien comme. Qui bon jeune tête ça yo. Impunité a tellement existé pendant longtemps en institution, moun yo vinn agir très ouvert et tout dehors dehors. Ça veut dire jour bon vetting qu'a fait dans la police là. L'a craser plate. Son sac a tout craser. Plate. Oui, une raison qui fait haut état major pas jamais concentré et folle pour le faire travailler ça parce que l'obral questionner qui bon policier à général c'est ça qui bon jeune grosse caï ça qui bon jeune machine ça yo qui bon masse l'argent ça yo qui sous compte en banque client sorti li pas chambre ka expliquer bon policier qui nan char yo mais réfléchir sur toute chaîne la police là qui à bay service à tout monde différent monde dans secteur privé classe politique qui a fait tout brasse ça yo on nous font camper là parce que li extrêmement important parce que nous ingénieurs agents ça nous compatriotes ça li parler là gen moun pour ça seulement là yo caraïl pour ça seulement là yo ka besoin chercher pour éliminer pour traquer parce que elle soulève un point qui fondamental parce que nous on insécurité à par rapport avec bandi yo nous on insécurité à par rapport avec autorité l'état yo qui peut-être qui pas fait rien mais pas fait assez mais en dedans même institution la police ça le gagné par exemple au premier moun qui dit yo fait le payer pour yo traverser le blende. Au deuxième monde dit yo fait le payer pour traverser le blende. Au troisième monde dit yo fait le payer pour traverser le blende. T'as supposé une enquête qui a mené? T'as supposé gagner bon gens information qui joignent sous dossier ça pour qu'on ait véritablement de quoi il en est. Ou tande et blende à escorter et camion marchandises, yo faire convoi etc. Et puis ça pas dit dirigeant PNH, ça pas dit au commandement la police rien. Et puis bagarre continue à répéter, mais le yo al passé camion marchandise yo bon coup, c'est pas gratis. C'est pas gratis si chéri. Kounya, l'équipe policier ça qui nan convoi, qui nan blindé ça yo, mais équipe policier ça yo yo gen un supérieur hiérarchique qui voye yo là. Yo gen un moun qui passe au l'ordre pour yo al poster yo nan position ça, même c'est là pour bazaye. Kounye a moun sa ki voye yo la, assurément chef yo a supérieur yo chik yo a yo koné koua. Yo koné passe moun pou l'ajan, yo koné utilize blende pou a sécurise konvoi pou 300, 400. Gen moun ka bedre la nan beyan, sou bezwen sot aéroport pou al lakay ou peur out la, etc. Wap jwen, moun même sa se bagay ki rive jwen mwen. Ou ka paye jusqu'à $700 américains, oui, pour yon ba ou pour yon et pour convoi, sécurise ou pour y ve mette ou koto brale ya. Ale ou tout, oui, ou paye koblan. Donc, nous pensons, journée jodi, j'en compatriote la tap di lan, si gen de série de moun ka brase dans insécurité à kosa, ka fe kob dans insécurité à kosa, nous pensons le pral facile, le pral easy pour un pomate, pour nous lever, pour nous tende, la police résout d'insécurité à. Ou bien les autres gen au commandement gen des séries de moun nan au commandement nan chaîne de police qui gen complicité ak bandi ou pral di se menti opération a toujours bâclé bagay yo a toujours boycotté pour qui ça parce que le nèg la nan 6 mois ka fait 32 millions alors que l'inon institution l pas même ka touché même cette ti fiche gaz des fois si c'est pas roulement si c'est pas cool bay li pas bien passé donc ou pral di nèg sa ta remé wè gen sécurité a rétabli ta remé wè gen sécurité pour national libéré côté le faire comme lui côté le faire comme lui donc l'idée extrêmement important pour nous te faire analyser en profondeur ça c'est pas seulement et longer doit sous autorité ou pas faire rien pendant yon pas faire rien nous non pays côté que toute chaîne n'a corrompu toute chaîne n'a corrompu sorti en l'air moun k'ap bay l'ordre arrivé en bas moun k'ap exécuter l'ordre là tout moun a cherché tirer profit de situation qui gen là donc à cet effet commencer garder réalité commencer nous-mêmes dans zone nous oui c'est vrai nous voulons aller avec activité nous le blender là aider nous passer le bon pour nous mais nous pas qu'à payer la police pour ba nous service nous pas qu'à payer la police pour ba nous sécurité ça arrive au gain bonne fois décider ou ba une petite donation avec quelques policiers qui dans quartier la car parce qu'on comprend sacrifice faut y faire mais si m'a saute l'arrivée là m'pas qu'à pour entrer dans blender pour se payer m'a payer en blender. Est-ce que nous comprenons la réalité? Donc, fuck,
DG Ramon assure que li vin nan tête la police pour pas finir pi red pi mal que JLB fini en mode inutile incapable. Vous comprenez? En mode pas utile. En mode pitopathe là. Donc ça li extrêmement important pour nous te faire et tirer aller. Nous gagnons dossier Nations Unies. Hier c'était occasion pour Haïti, Kenya et gagner États-Unis et également gagner des dirigeants dans CARICOM qui t'ai assisté avec une réunion qui t'a fait sur le dossier haïtien côté dirigeant américain Anthony Blinken a annoncé gagner une enveloppe de 160 millions de dollars américains qui va débloquer toujours la question et force multinationale pour aider Haïti faire face avec violence gang nan, pour aider et force là joindre moyens financiers etc pour continuer faire travail bon. Et il y a des deux bagages qui manquent. Nouvelle ça a livini non moment côté que Nations Unies pral gagner pour le pencher sous fait mission force multinationale là. Donc est-ce que on certitude que mission li a renouvelé? Est-ce que on certitude que mission elle pral transformer? Point d'interrogation pas puisque pas bon côté la caille pas nous dirigeant nous yo laissé nous comprendre que tout va bien avec force multinationale là et force multinationale là li opérationnel et Anthony Blinken t'est même arrivé non stade côté que t'a fait éloge pour avancer qui gagne depuis la force multinationale là arrivé en Haïti. Gary Conille était là, yo pas démenti. Edgar Leblanc fils était là, yo pas démenti. Vous comprenez? Donc ça pas dit rien. Ça pas interpellé, ça pas dit rien. Et nous connaissons sécurité à son élément indispensable sine qua non même pour gagner élection dans le pays. Malgré nan jou qui s'est passé, yo te gagne disposition qui prend et pour publier non 7 non 9 moun k'ap gagne pour composer CEP. Jusqu'à présent, deux autres moun yo non yo poko bay pour CEP a mette kopé. Cependant, il y a des dispositions qui prennent par bon côté conseil présidentiel transition. Hier, nous avons conseiller président Smith Augustin qui était allé dans ONI, Office national d'identification. Et c'est ONI qui gère les questions de carte d'identification. Ça nourrit les cartes et identification nationale. Même carte, André Michel te dit moun yo retire ti puissant la dedans parce qu'il a fait nous voter pour yo. Reprenn, il a Jovenel a tout fait nous voter ya. C'est même quand ça André Michel gen nan boussi et puis il te fait malere malere je sa comprend yo cassé pa yo boule yo jeté. Donc n'ap comprendre qui est-ce qui nèg sa yo k'ap fait politique pa bon ici. Donc hier dans l'après-midi Edgar Leblanc fils a annoncé et il était allé non ti réception que Biden t'ai invité lui, il était allé faire un petit manger, un petit réception et avec le président américain Joe Biden, madame Biden etc. Bah connait si c'est et traumatisme et ti réception, ti chita parler, ti petit verre, ti manger, si c'est votre menel gain, il pas de carité camper, il pas de ca font ti poser. Et parce que je ne pas comprendre. Quoi, le président sec, vrai, mais le président va obligé à lever de l'eau, à mettre dans la bouche comme ça. Oui, cause un pile. Bon, on avance. Et nous connaissons déjà la question élection, li important pour le pays. Dans le dossier élection, il y a principalement 4 missions que le conseil électoral lui-même li gagne. 4 missions, ça yo, c'est qui ça yo. Nous gagnons. Comme mission numéro 1, conseil électoral provisoire, c'est si organiser référendum constitutionnel là, une façon pour bail pays à une autre constitution. Et ça, nous tout te connaissons déjà que depuis Soariel, t'es gagné démarche qui t'a faite pour t'es gagné référendum qui fait pour gagner une nouvelle constitution. Cependant, et avec l'équipe qui sous pouvoir là, faut nous veiller, faut nous prudent, vigilant, pour pas venir ba nous on pour yon pa vin ba nou, yon constitution malachon qui pral refléter intérêt personnel dans ti groupe et puis sortant de là yon mette tout de peuple dans la faut nous prudent. Deuxième mission CEP c'est préparer projet décret électoral à calendrier pour faire élection yo. Troisième mission c'est faire une mise à jour de liste électorale là pour yon connait et qui quantité moun qui inscrit dans registre électoral là qui quantité moun qui pral gagner pour participer dans élection yo et quatrième mise à jour c'est organiser élection pour tout poste électif nouvelle constitution pral prévoir et c'est là vraiment et yon capté attention yon captivé attention parce que yon dit préparer élection
OK? Organiser élection pour tout poste électif, nouvelle constitution pral prévoir. Ça veut dire dans nouvelle constitution probablement pral gagner gros disposition qui prend. Est-ce que yo pral nan sa ki gen pouwe avec parlement? Est-ce que pral gagner tout deux et est-ce que pral gagner chambre député avec sénat? Est-ce que pral gagner tout deux corps? Ou bien est-ce que yo pral diminuer sous quantité député ou bien augmenter sous lit? Est-ce que yo pral diminuer sous quantité sénateur ou bien augmenter sous lit? Donc c'est à partir de référendum nan pou yo vini avec nouvelle constitution, c'est là nous pral connait véritablement qui ça bagay lan ye. Cependant, faut nous vigilant par rapport avec moun qui pral gagner et pour travail sous projet nouvelle constitution. Est-ce que projet nouvelle constitution ça pral refléter intérêt collectivité ya? Est-ce que yo pral prendre en considération besoin communauté haïtienne qui dans diaspora? C'est autant de questions qu'a posé qui était pendant jusqu'à présent, puisque non moment n'a parlé hein, et démarche Smith Augustin s'est rivé à aller dans ONI, parce que dans ONI même pour référendum nan li important que faut qu'on ait carte d'identification nationale ou pour aller décider est-ce que on a d'accord changer constitution ou pas. Donc c'est démarche ça yo qu'a fait alors que conseil électoral là un li pou ko compléter et deux pou ko même prêter serment devant la cour de cassation. Donc il était important pour nous te partager et pour nous te partager détail si la yo avec. Kounye an ap rentre dans dossier Nations Unies. Dans tribune Nations Unies, nous gagnons Edgar Leblanc fils, c'est vraiment qui fait un discours en pile moun bat bravo. Pendant que nous sommes sur tout réseau, c'est ça son seul bagage à partager, c'est question pour de loi. On comprend pour de loi, c'est l'X qui a fait actualité. Mais vraiment dans discours Edgar Leblanc, il y a des points que le soulever qui est extrêmement intéressant, qui est important. Et oui, c'est vrai, bah elle a déjà fait, j'en moun yon kon di, mal la fin fait, li fait net, ou baka efface li. Mais moi même personnellement, bah elle a yo, m'habitue avec yo, m'paka focalise, nous tellement gen bagay important pour nous parler, nous tellement gen bagay qui sérieux pour nous discuter sou yo. Donc nous baka perdre du temps, nous n'en fait blague, vous comprenez, n'en fait rance avec des séries de bagay nous connaît qui censé. Qui censé li ont habitude avec question dirigeant par bon ici, OK? Ça fait me dire li censé ont habitude, gardez polémique qui te gagné dans Nations Unies. Pour qui ça? Pour une question protocolaire, yo pas respecté hierarchie. Gary Coni aller, Edgar Leblanc dit le praler, Edgar Leblanc pour l'aller, yo li pas de caler, il pas de sécurité etc. Donc depuis à la base tout processus sans le vicier, depuis à la base te gagne un paquet d'erreurs qui t'est fait etc. Donc c'est pas ça qui pral le faire oublier toute l'autre bagaille. Bref, on avance. Pral éviter nous, bon toute attention parce que nous pral tendre discours que Edgar Leblanc lui-même lui prononcé dans tribune Nations Unies. Pour l'histoire et pour la vérité, yo discours comme ça et tout ça qui bon dans discours là nous ta supposé relever li et pour demander à ce que conseil présidentiel transition à toute équipe et gouvernement koni là yo prend engagement yo assumer responsabilité yo pour yo bay pays en résultat avant même que transition ça li rive dans bout li parce que c'est quelle occupation américaine c'est quel système esclavagiste dans tout? Système esclavagiste qui pesait nous, qui asphyxie nous, qui tout fait nous, li gen de graves répercussions économiques sur l'économie haïtienne, sur le pays d'Haïti. Donc tout point ça, tout élément ça, il a été abordé dans la tribune Nations Unies. Donc, il est extrêmement important pour nous attendre tout détail, toute explication que le président Edgar Leblanc lui-même, li tabaye dans l'intervention. On nous attendre. C'est quelle du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées
des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, chers compatriotes, j'ai l'immense honneur de représenter ici à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, à un carrefour particulier de son histoire, le peuple haïtien, digne et fier, qui malgré les tempêtes de tous ordres, a toujours su se relever. Première République noire du monde, Haïti porte dans ses entrailles la fierté d'une lutte héroïque pour la liberté et la dignité humaine. Elle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. C'est donc avec le poids de cette histoire et l'espoir d'un avenir meilleur que je m'adresse à vous. En appelant à la solidarité agissante de la communauté internationale. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations à vous, Son Excellence Philémon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, pour votre élection en tant que président de cette 79e session de l'Assemblée générale. Haïti se tient fermement à vos côtés et vous assure de tout son soutien tout au long de votre mandat afin de faire de cette session un succès pour l'ensemble de la communauté internationale. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 78e session par votre prédécesseur, Son Excellence, M. Denis Francis de Trinité et Tobago, qui a su conduire les travaux avec dextérité, sagesse et leadership. Je saisis également cette occasion pour exprimer au nom du peuple haïtien toute notre gratitude à vous, Monsieur le Secrétaire Général Antonio Guterres, pour votre visite en Haïti, votre présence sur notre sol et votre soutien indéfectible à notre démarche auprès du Conseil de sécurité, notamment pour renforcer la police nationale d'Haïti. Vos récentes interventions en faveur d'Haïti ont été vivement appréciées et resteront gravées dans nos mémoires. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à la communauté internationale pour le soutien apporté à mon pays en ces temps de crise. Cette solidarité, qu'elle se manifeste à travers des initiatives de sécurité, d'aide humanitaire ou de soutien au développement, est grandement appréciée. Par cette coopération continue et mieux adaptée, Haïti se remettra plus forte, plus résiliente, et engagera confiante sa marche assurée vers le développement et le progrès. Je salue ici tous les compatriotes haïtiens à travers le monde, qui tout en restant attachés à leur pays natal, sont obligés de chercher d'autres cieux plus cléments pour gagner leur vie. Tout le monde reconnaît qu'ils sont de rudes travailleurs. Je veux leur dire, partout où ils se trouvent, que le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement pensent à eux en attendant que les conditions soient réunies pour qu'ils reviennent au bercail. J'en profite pour saluer Amnesty International et d'autres organismes opérants dans le domaine de la défense des droits humains qui suivent de près les violations des droits des migrants haïtiens à travers le monde. Je me permets, au nom du peuple haïtien, de saluer fraternellement tous les amis d'Haïti qui ont fait preuve de solidarité envers les migrants de notre pays, en particulier ceux résidant à Springfield dans l'Ohio aux États-Unis.
la longue histoire d'amitié et de solidarité réciproque entre nos deux nations depuis notre participation à la bataille de Savannah en 1779 nous permet de dire avec confiance que le peuple américain rejette toute incitation à la haine contre notre communauté. La participation active des immigrés haïtiens à différents niveaux de la vie des États-Unis est tangible et significative. À cet égard, les passions qui émergent naturellement lors d'une campagne électorale ne devraient en aucun cas servir de prétexte à la xénophobie ou au racisme dans un pays tel que les États-Unis, une nation forgée par des immigrants de toutes origines et qui s'est érigée en modèle de démocratie à l'échelle mondiale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de cette 79e Assemblée Générale, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures, résonne profondément avec les défis majeurs auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ce thème est un appel urgent à l'unité et à la coopération internationale dans un contexte où les inégalités, les conflits et la crise climatique exacerbent la vulnérabilité de millions de personnes à travers le globe. Alors que de nombreuses nations peinent à atteindre les objectifs de développement durable, il est plus que jamais nécessaire de garantir que toutes les voix, en particulier celles des plus marginalisées, soient incluses dans les processus de décision mondiaux. Cette thématique revêt également une importance capitale dans le contexte de la crise actuelle en Haïti. Il incarne l'essence même de notre lutte pour restaurer la paix et la stabilité, tout en assurant que chaque citoyen haïtien, chaque citoyenne, puisse jouir de ses droits fondamentaux. Agir ensemble, comme le souligne le thème, est essentiel pour Haïti, car notre redressement ne peut se faire pleinement sans cette solidarité internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre monde est confronté à des défis d'une ampleur sans précédent, des défis qui préoccupent profondément l'ensemble de la communauté internationale. Les Nations Unies, dans leur mission historique de promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable, se retrouvent en première ligne face à des crises qui menacent non seulement des nations isolées, mais l'ensemble de l'humanité. Le changement climatique est sans doute l'un des plus grands périls de notre époque. D'après les données récentes du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température mondiale a déjà augmenté d'environ 1,1 degré centigrade depuis l'ère pré-industrielle. Cette élévation a provoqué une intensification des phénomènes climatiques extrêmes tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations, des catastrophes qui affectent particulièrement les nations les plus vulnérables comme Haïti. En 2023, le Programme des Nations Unies pour le Développement a estimé que plus de 100 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans la pauvreté d'ici à 2030 en raison des effets du changement climatique. Pour Haïti, qui fait partie des pays les moins émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui ont subi les impacts les plus dévastateurs, cette crise mondiale exacerbe nos difficultés à garantir la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau potable et la stabilité économique. Les conflits armés continuent également de semer la destruction et de ravager des vies humaines. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de personnes déplacées de force a atteint 110 millions en 2023, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité. Que ce soit en Syrie, en Ukraine ou dans la région du Sahel, ces conflits prolongés exacerbent la pauvreté, détruisent des infrastructures vitales et entraînent des flux massifs de réfugiés. Le monde ne peut rester inactif alors que des millions d'hommes, de femmes et d'enfants fuient les violences en quête de sécurité et de dignité.
L'engagement de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour trouver des solutions diplomatiques et promouvoir des initiatives de consolidation de la paix. Un autre défi majeur concerne les inégalités économiques qui continuent de se creuser. Selon le rapport sur le développement humain 2023 du PNUD, près de 1,2 milliard de personnes vivent encore dans la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elles manquent d'accès à des services essentiels tels que la santé, l'éducation et des conditions de vie décentes. La pandémie de COVID-19 a amplifié ces inégalités, poussant des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Pour des nations comme Haïti, l'impact a été dévastateur. Avec un taux de pauvreté des plus élevés, le pays fait face à des défis structurels profonds. Mais ces inégalités ne sont pas seulement un problème haïtien, elles sont un problème mondial qui requiert des réformes économiques globales. En outre, les défis liés à l'insécurité alimentaire se sont intensifiés ces dernières années. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, plus de 735 millions de personnes dans le monde ont souffert de la faim en 2022, une augmentation alarmante qui reflète les perturbations causées par les conflits, les crises économiques et le changement climatique. Haïti, malheureusement, ne fait pas exception. Le Programme alimentaire mondial a récemment souligné que près de la moitié de la population haïtienne est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Cette situation n'est pas seulement une urgence humanitaire, mais une menace pour la stabilité de notre nation. Nous devons travailler ensemble pour renforcer les systèmes agricoles, garantir un accès équitable aux ressources alimentaires et lutter contre la faim de manière concertée et durable. Enfin, les progrès technologiques apportent de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles menaces. L'accélération du développement de l'intelligence artificielle, la prolifération des cyberattaques, la désinformation mettent en danger la stabilité des démocraties à travers le monde. Le rapport de l'Union internationale des télécommunications montre que la fracture numérique reste un défi majeur, avec près de 2,7 milliards de personnes n'ayant toujours pas accès à Internet en 2023. Haïti étant l'un des pays les moins connectés, doit impérativement bénéficier d'un soutien pour combler cette fracture numérique et participer pleinement à l'économie mondiale du 21e siècle. Cette année, Haïti réaffirme son engagement en faveur de la préservation de notre patrimoine commun, les océans. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui avec fierté que Haïti signera l'accord sur la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales, adopté le 19 juin 2023 et ouvert à la signature depuis le 20 septembre 2023. Cet accord est un outil crucial pour garantir la protection de la biodiversité marine, promouvoir une exploitation durable des ressources marines et renforcer la résilience des États insulaires comme le nôtre face aux défis du changement climatique. Haïti est déterminé à collaborer avec la communauté internationale pour s'assurer que cet accord profite à toute l'humanité, tout en contribuant à la protection des écosystèmes marins dont nous dépendons tous. Ces défis mondiaux ne peuvent être relevés que par un engagement renouvelé en faveur du multilatéralisme, de la solidarité et de l'action collective. Haïti, malgré ses difficultés, se tient prête à collaborer avec la communauté internationale pour surmonter ces crises et bâtir un avenir où la paix, la justice et la dignité humaine triomphent. Mais nous ne pouvons y arriver seuls. C'est ensemble que nous devons agir pour garantir que personne ne soit laissé de côté. Excellences, Mesdames, Messieurs, en proclamant l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, le général Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de notre patrie, a donné aux droits de l'homme leur caractère universel. En d'autres termes, avec le triomphe de la révolution haïtienne de 1804,
et a lancé le processus de démantèlement de l'ordre colonial et esclavagiste, les droits de l'homme ont cessé d'être uniquement les droits de l'homme blanc pour devenir les droits de tous les hommes, de toutes les femmes, c'est-à-dire les droits de l'humanité tout entière. À ce titre, en tant que représentant de la République d'Haïti, porte-parole officielle du peuple haïtien, je me vois dans l'obligation d'attirer l'attention des dirigeants des grandes puissances sur le danger de guerre nucléaire menaçant l'existence des peuples sur tous les continents. Dans cette optique, au nom de la République d'Haïti, je lance un vibrant appel aux chefs d'État de tous les pays membres des Nations Unies pour leur demander d'éviter à l'humanité le péril de la fin de la civilisation sur Terre. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'exprime aujourd'hui avec l'expérience de plusieurs années consacrées au service de mon pays. Mon parcours politique, profondément ancré dans l'histoire d'Haïti, m'a permis de traverser de nombreuses épreuves, toujours avec un même objectif, le progrès de mon pays, la fierté, la dignité restaurée et le bien-être du peuple haïtien meurtri. Ayant présidé le Sénat de la République de 1995 à 2000, puis ayant été témoin de moments critiques de notre histoire politique, j'ai vu de près les défis auxquels notre nation a été confrontée. Mon engagement politique remonte à une époque où les luttes pour la stabilité et la démocratie étaient omniprésentes. Aujourd'hui, en tant que président du Conseil présidentiel de transition, je me retrouve à un moment charnière de l'histoire d'Haïti. Mon parcours m'a enseigné que la résilience et la volonté collective sont les seules voies pour garantir un avenir stable et prospère. C'est avec cette vision, ce dévouement et la force que confère cette riche expérience politique que je m'engage à conduire la transition déterminée à mener Haïti vers la paix, la sécurité et la démocratie participative par la tenue de la conférence nationale, le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, crédibles, transparentes. Le peuple haïtien, malgré ces épreuves auxquelles il est confronté, refuse de se laisser submerger par le désespoir. Des défis d'une ampleur sans précédent, une violence dévastatrice, une instabilité politique persistante, une précarité quasi générale et une pauvreté dégradante se pose à son intelligence et à ses capacités d'action. Au milieu de cette tempête, il a compris qu'il lui fallait prendre une décision courageuse, celle de se mettre ensemble, de s'unir malgré les différences profondes pour pouvoir se relever et se mettre en marche, en toute confiance, vers la sortie de la crise multidimensionnelle qui l'afflige depuis déjà trop longtemps. La création du Conseil présidentiel de transition est une matérialisation de cette décision, un exemple tangible de cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Ce conseil qui rassemble organisations de la société civile et toutes les tendances politiques du pays est le fruit de longues négociations. Il incarne la pluralité de la société haïtienne. Sa feuille de route est claire: restaurer la sécurité publique, organiser des élections libres, transparentes, à la fin de l'année 2025, rétablir la confiance dans les institutions de l'État. Pour y parvenir, nous, responsables au plus haut niveau de l'État, savons que nous aurons besoin du soutien de la communauté internationale. Mais d'abord, nous devons compter sur nous-mêmes, sur notre résilience, notre capacité à surmonter les divergences, les divisions internes. Il est important de souligner que la résolution des problèmes d'Haïti repose avant tout sur les épaules du peuple haïtien. Il est de notre devoir, en tant que nation souveraine, de prendre en main notre destin, de surmonter les divisions et de construire ensemble un avenir de paix et de prospérité. Cependant, cette responsabilité n'incombe pas seulement à nous. La communauté internationale, les Nations Unies, les puissances étrangères qui ont souvent joué un rôle décisif dans l'histoire d'Haïti ont également une part essentielle dans ce processus de restauration de la paix, de redressement économique, de renouvellement institutionnel et d'établissement d'un état de droit. En ce sens,
L'échec d'Haïti à se relever n'est pas seulement celui d'une nation. Il traduit un échec collectif, une incapacité mondiale à respecter pleinement les principes de solidarité, de justice et de coopération internationale. C'est ensemble, avec une responsabilité partagée et un engagement renouvelé, que nous pourrons transformer cette crise en opportunité et tracer une voie durable vers la paix. Aujourd'hui, Haïti fait face à une crise sécuritaire d'une gravité sans précédent. La montée en puissance des gangs armés, la violence généralisée, l'instabilité politique ont plongé la nation dans un état de vulnérabilité extrême. Les citoyens vivent dans la peur, incapables de circuler librement partout sur le territoire national, d'aller travailler ou d'envoyer leurs enfants à l'école sans risque, notamment dans la région métropole de Port-au-Prince, la capitale. Cette situation affecte tous les aspects de la société haïtienne, fragilise les institutions, paralyse l'économie, mine l'espoir de lendemain meilleur. L'avenir du pays est menacé. 50% de l'effectif des gangs de la région de la capitale sont constitués d'enfants et d'adolescents, filles et garçons. Ils servent souvent de chair à canon lors des opérations contre les forces de l'ordre. Ils sont l'objet de graves violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Ces abus et violences exercées contre des enfants et des adolescents doivent être considérés comme un crime contre l'humanité, compte tenu de leurs conséquences sur les générations à venir. Le rétablissement de la sécurité nationale est une priorité absolue pour les autorités haïtiennes. Elles sont pleinement engagées à mettre fin à cette spirale de violence et à restaurer l'ordre, afin de garantir à chaque citoyen, à chaque citoyenne, le droit fondamental à la sécurité. Elles sont conscientes que la paix et la stabilité sont les fondements indispensables pour permettre à Haïti de se redresser, de rétablir la confiance dans ses institutions, d'assurer le développement socio-économique du peuple. Dans cette optique, la décision du Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité à travers la résolution 2699 a été une réponse directe aux appels du peuple haïtien. Cette mission, bien que n'étant pas une force onusienne classique, incarne l'engagement de la communauté internationale à soutenir Haïti dans sa lutte contre l'insécurité. J'exprime au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude aux États contributeurs, notamment au Kenya, pour avoir accepté d'assumer le leadership de la mission, ainsi qu'à tous les pays qui ont apporté leur soutien. Les forces de sécurité nationale, avec l'appui de la mission, ont déjà montré des résultats tangibles sur le terrain, permettant à la population de retrouver progressivement une certaine normalité. Beaucoup, néanmoins, reste encore à faire. Haïti a accueilli plusieurs missions des Nations Unies au cours des trois dernières décennies, notamment la MINUSTAH. Si certaines de ces missions ont contribué à stabiliser temporairement le pays, elles ont également laissé un héritage lourd de conséquences. Des allégations de violations graves des droits humains, y compris des abus sexuels, ont ébranlé la confiance du peuple haïtien. L'absence de poursuites et de réparations pour les victimes a renforcé un sentiment d'impunité, minant ainsi les efforts de reconstruction. Il n'est cependant jamais trop tard pour bien agir et pour tirer des leçons du passé. En repensant l'approche, nous avons l'opportunité de redorer le blason des missions internationales en Haïti et de construire un avenir meilleur pour le peuple haïtien. C'est dans cet esprit que nous souhaitons voir amorcer une réflexion sur la transformation de la mission de soutien à la sécurité en une mission d'opération de maintien de la paix sous mandat de l'Organisation des Nations Unies. Cette transformation permettrait non seulement de sécuriser un financement plus stable et d'élargir les capacités de la mission, mais également de renforcer l'engagement des États membres en faveur de la sécurité en Haïti. Je suis convaincu que ce changement de statut,
tout en s'assurant que les erreurs du passé ne se répètent pas, garantira le plein succès de la mission en Haïti. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me tiens aujourd'hui devant cette Assemblée en tant que voix de la République d'Haïti, pays dont l'histoire est inextricablement liée aux idéaux de liberté et de justice que nous célébrons tous ici. Mais Haïti, la première nation noire indépendante du monde, est aussi la grande victime d'une injustice historique qui a non seulement retardé son développement, a aussi marqué son peuple d'un fardeau dont les répercussions se font encore sentir. En 1825, à peine 21 ans après avoir gagné sa liberté au prix d'une lutte héroïque, Haïti a été contrainte de payer une dette colossale à la France, pays colonisateur, en échange de la reconnaissance de son indépendance. Cette rançon imposée sous la menace a siphonné les ressources de la jeune nation, la plongeant dans un cycle infernal d'appauvrissement dont elle peine toujours à sortir. Cette dette a été une forme de punition pour sa hardiesse à se libérer des chaînes de l'esclavage et hisser l'être. Elle a été une pénalité injuste qui a asphyxié le potentiel économique et social du peuple noir d'Haïti pendant des générations. Dans le contexte d'aujourd'hui, où plus que jamais, l'attention est portée sur les efforts pour restaurer sans délai la sécurité et répondre aux immenses besoins humanitaires en Haïti, il me paraît important d'attirer l'attention de l'Assemblée sur les séquelles du passé colonial et des rançons payées à certaines puissances qui ont largement hypothéqué le développement d'Haïti. Il n'est pas sans intérêt de rappeler qu'Haïti a été le seul pays à avoir payé pour son indépendance, obtenue pourtant dans le feu et dans le sang. À la veille du bicentenaire de cet événement inédit dans l'histoire du monde, n'est-il pas venu le moment de la restitution des montants consentis? À cet égard, mon pays s'est félicité des propositions formulées par un certain nombre de gouvernements et également certaines agences des Nations Unies pour des actions concrètes en vue de la reconnaissance, la réparation et la restitution des torts du passé. Haïti a confiance sans réserve dans l'Organisation des Nations Unies, dont les piliers sont la lutte pour l'égalité entre les peuples et le maintien de la paix entre les nations, pour jouer son rôle notamment dans la mise en place des mécanismes appropriés pour faciliter le dialogue entre les pays victimes de la colonisation et les anciennes puissances coloniales. Ici, à cette 79e session de l'Assemblée générale, Haïti est par mon entremise, non pas simplement pour revendiquer une réparation, mais pour poser une question de principe, celle de la justice immanente. Ma démarche est résolument engagée, structurée et bien documentée. Le Comité national de restitution et réparation, en collaboration avec la Commission des réparations de la CARICOM, a déjà entrepris des travaux exhaustifs sur ce sujet. Nous demandons la reconnaissance d'une dette morale et historique et la mise en œuvre de réparations justes et appropriées qui permettront à notre peuple de se libérer des chaînes invisibles de ce passé injuste. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations ne se relèvent pas dans l'isolement, mais dans l'union des forces, dans l'engagement résolu à bâtir un avenir commun. Haïti, cette terre qui a offert au monde un symbole de liberté inébranlable et qui a aidé plusieurs nations à se libérer du joug du colonialisme barbare, ne cherche pas la charité, mais la justice, le respect. Le respect de sa dignité et de son droit à une existence digne et prospère. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont certes immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils exigent de nous tous une vision partagée, un sens profond de notre humanité commune
et la détermination à transformer les crises en occasion de renouveau. Chaque nation, grande ou petite, riche ou vulnérable, porte une part de l'avenir collectif entre ses mains. C'est dans cette indépendance, interdépendance, que réside la force véritable du multilatéralisme. Que ce débat général soit le moment où nous réaffirmons notre engagement indéfectible envers la paix, la dignité humaine et le développement durable, car ce que nous faisons aujourd'hui résonnera dans les siècles à venir. L'histoire jugera la manière dont nous aurons su répondre aux défis de notre temps. Ensemble, dans un esprit de solidarité et de coopération, nous pouvons et nous devons construire un avenir où aucun peuple, aucune nation ne sera laissée pour compte. Vive Haïti! Vive la coopération internationale! Mes amis, attendez ça! Où c'est haïtien? Où est mes pays? Et puis, on agit! Mon éditorial! Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout! Émission Mon Éditorial, c'est l'espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial, sorti le lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon Éditorial, nous prenons la balle et pays, nous prenons le faire débat.